Bravo! Ici, Antoine! À nous! Hop! Yeah! Bravo, Jules! Là, c'est la douche. Bravo, bravo! Bon bah merci d'être venu en pleine nuit, hein. C'est sympa. Quand on part du Havre, c'est émouvant. C'est toujours, y a toujours de l'appréhension parce que c'est une route qui est longue, qui est difficile. On sait que ça va pas être facile. Est-ce que le bateau va tenir? Qu'est-ce qui va se passer? Donc moi je suis toujours j'ai toujours une appréhension et puis après on est dans le bain et après il se passe plein de trucs. Après il y a le match. Quand on regarde en arrière, on a l'impression d'être parti, d'avoir vécu une aventure incroyable. Et puis ce qui est le cas. Et puis le but ultime, forcément, moi, au départ, vous me demandiez c'est quoi tes ambitions? Et forcément l'ambition c'est de gagner. Et en fait c'est comme dans un livre, ça s'est passé comme dans un livre. Et comme dans un beau livre d'aventure, un beau livre illustré parce qu'il y a des super images. Et je vous avais dit, je reviendrai pour chercher du résultat. Et bien le résultat, c'est aujourd'hui. Et demain, à la prochaine course, je partirai pour gagner aussi. Je vous cache pas qu'au début, moi de faire du multicoque sur des transatlantiques, j'ai jamais été très chaud parce que je trouve que c'est des exercices d'équilibre qui durent 10 jours. Donc c'est compliqué, il faut partir avec les bonnes personnes. Donc quand Gilles m'a demandé si je voulais venir avec lui, je savais pas trop si je pouvais dire oui ou pas, parce que j'avais jamais navigué avec Gilles, et on a fait un Grand Prix ensemble et il a eu les réflexes qui m'ont rassuré tout de suite et qui m'ont montré que c'était, à mon sens, les marins, les grands marins, justement, c'est les gens qui ont des réflexes dans certaines conditions. Et ça va être juste sortir une écoute d'un taquet et la garder à la main, ou c'est des petits détails qui font qu'en fait on prend confiance dans l'autre et donc à la fin du Grand Prix j'ai dit à Gilles ok on y va et donc on est parti et on a très bien fait je pense. Bah non, raconte-moi super, il y a toujours de l'appréhension parce que c'est, il prépare ses waypoints en fait. Bah, comme dit Gilles, hein, je pense que c'est un tout, après au début on...